Peu d'ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de 2 jours. Alors, on avait perdu la clé l'autre fois. On l'a retrouvée. Donc, on avait fait le 16, le 17, le 18. Et là, on va faire le 19 et le 20. 4 jours. Le 20, c'est demain? Non, c'est aujourd'hui, chérie. Hein? Ok, on est dimanche 20 aujourd'hui. Je suis avec monsieur. Les enfants sont quelque part, loin. J'espère que vous allez bien. Nous, il a fait un temps pourri, mais c'est pas grave parce que je suis un petit peu allée au boulot ce matin, faire des papiers. On a fait un petit peu... on commence à aménager notre petite camping-car. Vous avez pu voir celles qui me suivent sur Instagram. On a acheté déjà une petite couette, des oreillers... on a testé le petit thé, le petit goûter dans le camping-car, puisqu'il est dans notre cour, juste là, de l'autre côté. Voilà. Et le gaz marche bien, l'électricité marche bien, il a mis son nouveau poste, bref, qui marche bien. Voilà, on commence à pour pouvoir partir s'envoler. Ça ne saurait tarder dès qu'on aura un petit peu de congé. On va prendre le petit thé. Donc du coup, je me suis dit que comme j'en ai pas beaucoup bu du thé de chez Lidl, parce que j'ai plein de thé, j'allais garder les petits thés qui sont en emballage comme ça, qui se gardent longtemps. Je vais les garder pour dans le camping-car, justement. Donc ça sentira pas, ça sera super. Alors, on a dit 19 et 20, mais pour le prix... Je trouvais qu'il était sympa, ce que j'ai bu était très bon. Hein. Donc là, on a du thé de Noël à la cannelle et un thé hibiscus. C'est parfait. On y va? On y va. Je crois que Chloé m'avait mis... Chérie, tu peux me donner l'autre cadeau? Parce que Chloé m'a dit, j'étais préparé le swap, blablabla. Sauf que là, je suis désolée, c'est marqué 22. Hein. J'ai rien. Je pense qu'il voilà, il y a eu un petit souci d'entre voilà. Et puis j'ai pas eu la boîte numéro 20 aussi. Quelle boîte? Là. Oh, t'es tellement gentil, mon chéri. Merci. T'es gentil. Ouais, ils ont à peine entrevu ton pouce. Hein. Tu peux dire bonjour. Voilà, vous êtes content, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Numéro 19. Un petit maltaiseur? Non, arrête de manger parce que j'ai comme du coup les paquets commencent à s'enlever de tout mon petit comptoir. J'ai mis les paquets et on commence à découvrir des petites choses, du coup, des petites choses qu'on avait cachées. Voilà, celles qui ont des ados vont comprendre. Alors, c'est une petite... un petit gant. Ben, il ira direct dans le camping-car. Hein, pour se démaquiller. Et se laver, voilà. Très bien. Ça, j'aime bien. En plus, elle est sympa, elle est grande. La numéro 20. Toujours doublissime, c'est un sérum botanique microbille pour peau normale. Voilà, un petit sérum pour la peau. Donc du coup, bah, quand même, hein, déjà depuis entre mes deux calendriers Clarins et ben, je me retrouve avec une trousse, vous voyez, énorme de produits que je vais pouvoir tester, emmener des petits échantillons partout, c'est super sympa, je suis très contente. La petite boîte d'Aurélie qui commence à bien diminuer. Je me retrouve encore avec un... En fait, elle nous a... Pourquoi j'en ai une? Ah oui, surprise 6. Ouais, en fait, Aurélie, t'avais fait une chasse au trésor, mais du coup, on les a pas vus puisque c'était... voilà, surprise 6, on l'a déjà... On l'a déjà ouvert. Alors, numéro 19. Pour décorer et faire un peu de rangement. Tu veux dire comment est-ce qu'on pourrait en bordel? Peut-être, là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, là. Mmh. Ça se peut, hein.
qu'elle est un peu en bordel. Parce que dès que je reçois, d'ailleurs, je voulais vous remercier d'avance. Je vous fais déjà plein de bisous. J'ai reçu plein de lettres, des petits colis. Voilà, les enfants ont monté. J'ai pas eu le temps, là. Ça fait... j'ai travaillé pratiquement 3 jours et demi, là. Et j'ai vraiment pas eu le temps. On est allé faire les courses de Noël, en plus. Enfin, c'était un petit peu... un petit peu la course comme tout le monde, hein. Donc, j'ai pas eu le temps de vous dire. J'ai reçu un petit message. Il y a juste Cathy, puisque tu me regardes tous les jours, je peux te le dire. Tu le sais, d'ailleurs, je t'ai envoyé... Comme je t'ai mis sous ton petit commentaire, j'avais bien reçu ton petit paquet. Alors, numéro 19 d'Aurélie. Ah oui, puis il faut que je vous dise aussi autre chose. Aussi autre chose, Chloé m'a retrouvé un paquet. Bon, je vous le montre après. Numéro 19. Elle a retrouvé quoi ? Ah ben, je vais te montrer. Un paquet qui était caché là. Pour décorer et faire un peu de rangement. Donc, une boîte que tu as... customisé. Non, ça ressemblait bien. Ah oui, ah bah. Oula. Alors, ouais, il y a eu un petit peu de casse, mais rien de grave, parce que tout se recolle avec ma super colle F-Déco. Voilà. J'ai gagné. Elle m'a fait une magnifique boîte. Voilà. Rose, elle est trop belle. Donc là, il y a le petit cadre voilà, qui s'est cassé. Mais je vais le recoller. Et ni vu ni connu, personne n'a rien vu. Très, très joli. Non, mais Aurélie, elle est vide, la boîte. Qui m'a bouffé mes chocolats qui étaient dedans? Moi. Pas moi. Ah, mais tu vois, on pourrait mettre des petits maltesers. Attends, attends, je vais essayer de viser. Non, tu vas louper. Allez, non, une magnifique petite boîte, elle est très très belle et je ne manquerai pas bien évidemment de trouver une petite fonction pour tout ranger. Elle est très très jolie. Attends, je vais peut-être la poser là tout délicatement, voilà, dans ma petite boîte. Voilà, et puis Chloé, pour me préparer mon swap de ce matin, elle me dit « Ah, mais au fait, bah, t'as vu, il y a un cadeau, c'est écrit Camille Surprise 7 ». Bon, on n'est que le 20. Aurélie s'est même pas aperçue que j'avais pas ouvert un cadeau. Ou alors elle s'est dit, tiens, elle l'a pas aimé, du coup, elle me l'a pas montré. Donc, je vais ouvrir ce grand. Et comme il était très grand, elle avait mis derrière tous les paquets, en fait. Donc, il était passé un petit peu... Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Donc, il faut... Oh ! Oh, bon, en plus, bah oui, Aurélie, t'aurais pu me dire... Regardez ce que c'est. Oh, c'est très joli. Je vais pas avoir assez de murs dans ma scrap room. Hein. Oh, c'est très chouette. Attends, je regardais, c'était quoi pour... Donc, c'est un grand cadre. Là, c'est le bois qu'elle a peint. C'est un grand cadre qu'elle a customisé. Et on va pouvoir, avec des petites épingles, et afficher des petites choses. Ben, c'est sympa. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, parce qu'avec la lumière, il est quand même très grand. Est-ce que vous voyez bien? Oui, regardez. C'est très, très joli. Oh, il est trop beau. Trop chouette, hein. Vraiment immense en plus. Et puis, c'est... ça, c'est chouette. Je crois qu'elle a le tuto sur sa chaîne. Hein. En barre d'infos, il y a tous les petits liens dont je vous parle. Il y a la chaîne de Lily Fleur 72 Aurélie. Coralie n'a pas de chaîne YouTube. Elle fait partie du groupe Cora Scrap. Scrap avec moi. Cora, du groupe Scrap avec moi. Voilà. Et là, si vous pouvez aller voir sur sa chaîne, il me semble que je l'ai vu. Elle met de la pâte de structure, elle laisse sécher des petits... Et puis après, elle a mis... Bon, c'est très joli. Il est très, très joli. Je vais le poser là. De ne pas le casser. Et avec, elle m'a mis un magnifique tampon bois. Regardez, trop beau. Bois. C'est une dame qui a la chance d'avoir son... J'ai cru qu'il lui tenait la main, non, mais pas du tout. Un peu style des années folles avec le mari qui lui tend un énorme bouquet de fleurs. Tu veux que je te montre comment ça fait quand tu offres des fleurs à ta femme? Et puis avec elle, mamie. Il n'y a plus sa grande distanteur de fion, là, non? Non. En fait, j'ai pas osé le dire, mais ça faisait un peu ça. Mais... Et des magnifiques embellissements demi-perles qui sont très très jolis.
toute façon, hein, vous aimez quand il dit des bêtises, mais c'est vrai aussi, hein, Wally, ton tampon, j'ai cru qu'il lui tenait la main, qu'il lui faisait un baise-main, qu'il était à genoux, tient, en fait. Il lui tient la main, mais... Non, avec les deux mains sont comme ça. Bon, c'est pas grave, on s'en moque, ça n'a pas d'importance. C'est très gentil, Wally, c'était le numéro 7 de... Non, mais c'est bon, que j'avais oublié. Sans le cucu. Non, mais... Tiens. Allez, bon. Très bien, on fera des petits tamponnages et puis on en reparlera une fois qu'il sera tamponné, voir comment ça fait. Voilà, donc ça c'était le numéro 7 que j'ai oublié d'ouvrir. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut vraiment, Aurélie, tu as encore des plus. J'attends quand même que tu les ouvres, hein, parce que je pense que... Voilà, bref. Numéro 20 d'Aurélie. Avec magnifique tampon qu'on a eu de chez Action l'année dernière. Je l'adore aussi l'utiliser. Encore un peu de... Trois petits points. Choix. Camping-car! Non, Amandine. C'est, ouais, c'est drôle une fois, mais après... c'est moins drôle deux fois. Personne rigole là derrière. Si, ils sont toujours deux. Elles attendent que ça. Tu t'étais trompée, tu m'avais filé le 22, Chloé. Heureusement que papa était là. On est le 20. On est le 20. On est le 20. Bon. Encore un peu de... Une. Deux. Ouais, deux. Ça vous dérange pas que je fasse la vidéo? Non. Encore un peu de thé ou de pochoir? Bah non, pas du tout. Bah non, parce qu'elle n'était pas au courant. Quand elle a envoyé le swap, elle n'était pas au courant que j'allais avoir 50 millions de... Alors, c'est un petit embellissement. Pour ranger des bougies. Ah, mais il y a une petite carte. Mais attends, c'est lequel? C'est d'elle ou c'est de... Coralie? Ah non, c'est de Coralie, celui-là. Oh là là, mais j'ai pas fait dans l'ordre, moi. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Bon, on mélange tout, c'est pas grave. Ça, c'est de Coralie. Donc ça, c'est des petites bougies. Avec un petit mot, un petit tag avec un petit mot. Et des petites bougies. Chauffe-plat. C'est sympa. Voilà. Ouais. Hop. Je vais te laisser de côté comme ça on pourra les garder au salon. Avec une petite boîte en forme de cœur. Des allumettes. De quoi? Avec des allumettes. Pourquoi des allumettes? Pas pour allumer les bougies. Ah. Eh ben non. Perdu. Les timbres. Je sais que... Amandine, tu peux essayer de lire. Donc, en fait, je voulais juste vous le dire. Hein, Coralie n'est pas connue pour ses talents d'écriture. Voilà. Je sais que tu en es fan. C'est facile à lire. Ouais. Je sais que tu en es fan. Merci d'avoir lu. Il y a plein de petites paillettes. Triangle. Super. Ça fait quoi? Non mais rien, je sais pas si t'es... En fait, c'est toi qui lui as dit, c'est pour ça, parce qu'alors c'est blindé de petites... Ah mais attends, 24, hein, je les ai toutes prévenues. Je sais. Je suis désolée, je mets un peu de temps parce que, hop, allez, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, maintenant, on a des étoiles par terre, formidable. Je sais que je suis en effage. Encore des petites boîtes dedans. Bon, je vais mettre tout dedans. Parce que... Donc, je suppose c'est des petites... Vu la taille, des petites breloques en métal. C'est vrai, j'adore ça. Hop. En plus, elles sont trop jolies. Alors, ça va être... Bon, vous arrêtez de manger le paquet, ça fait beaucoup de bruit, sincèrement. Stop. On pose ou vous me dites, je fais une pause, j'attends que vous ayez aéré parce qu'il y a Chloé et Amandine qui sont arrivées entre temps. Et voilà, très très chouette, j'adore ça. Donc, ça c'était le cadeau numéro 20 du coup de Coralie que j'ai tout mélangé. C'est des breloques. Ça s'appelle des breloques en métal. Donc, celui-là c'est de Aurélie. Et j'avais dit quoi le mot, le lundi, c'était. D'accord. Tu en as trois petits points de besoin. Non, tu auras le choix. Mais vu la taille, 30-30, c'est
du papier. Alors. Pas que. Alors, du joli. Ah, celui-là, alors il est magnifique. Ah, mais je suis trop contente que tu m'en aies offert. Je l'ai vu, elle l'a eu à Nose. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est si vous suivez Aurélie, il est superbe. C'est quoi, c'est trop chouette. C'est un. Du quoi? C'est un canard. C'est un oiseau? Non, c'est pas un canard, c'est un oiseau. Et l'autre, des stickers sur un canvas. Canvas stickers. Il y a une toile. Ah, tu peux découper. Ça doit être ça. Aurélie, tu nous expliqueras. En fait, c'est du papier. Du papier canvas transparent. Et pas transparent, un peu beige. Vous voyez, du tissu comme un peu du lin. Et autocollant. Et on peut du coup découper des formes dedans. Ça y est, ils sont en train de faire le bordel. C'est fini. C'est pas on va plus y arriver. Numéro 19. Du coup, on repart en arrière de... Coralie, tu es allé chercher un quoi boire, mais faut pas croire que moi j'aurais droit à un quoi boire. Hein. Non, ça. C'est plus ce que c'était. Hein. Alors, de Coralie, c'est décidément des paillettes. Avec un petit. À utiliser pour des jolis effets pailletés. Alors moi, j'en ai acheté pour mettre sur des créas, mais j'en ai jamais mis sur les cheveux. Je ne l'ai pas mis sur les cheveux, ça. Les cheveux? Ben oui, normalement, c'est pour mettre sur le visage, sur les cheveux. Ah oui, pendant un peu, essayer. Ben oui, on se fera une petite photo illuminée, toute la famille. Et puis là, c'est carrément... Je suis pas sûr qu'on ait les mêmes yeux que sur la pochette. Hein. Ça sera pas moi, tu vois. Je vais pas essayer. Bah si, sur ton... Sur quoi? C'est sur le visage, tu peux mettre aussi sur le visage. Oui, eh ben merci Coralie, c'est super gentil. Tu te laisses pousser ta barbe, comme ça on te mettra des guirlandes. Ah bah oui, d'ici Noël, on a vraiment le temps là. Oui. Alors attends, ça et ça. Donc là, super, merci Coralie et merci Aurélie. Aurélie, non mais chercher du coup... Le thé, t'as fait? Le thé, j'ai fait. F déco. Scrap Dilly. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Ça fait trop de cadeaux d'un seul coup. Hein. Ouais. Je suis perdue. Oui, vous en bah oui, bien sûr. Ouais, la prochaine fois que tu travailles, on ouvrira à ta place. Oui, bien sûr. On prendra un masque. Oui. De toi. Alors, chez Scrap Dilly, un tampon avec des petits cœurs, parce qu'elle a dit qu'après Noël, nous préparons la Saint-Valentin. Oh, avec un petit d'ail. Voilà. Un petit die avec plein de petits cœurs. Voilà. Tu vois, je te ferai des petites découpes pour donner à ton amoureux. Oh, ça c'est quoi? Ah, bon, dis-le. T'as un amoureux hein? Oui. Ben, il te reste deux mois et demi. Quoi, deux mois? Ben, pour la Saint-Valentin. Waouh. Ah oui, c'est... De chez Scrap Dilly Levain, on a des petits tampons, tampons fanion, joie et rire. Voilà, c'est pas ce que j'utilise les plus, hein, avec fond noir, mais c'est pas grave. Et un joli petit die étiquette, cadre grunge, ils appellent ça comme ça, voilà. Qui est, voilà, très joli, super, Scrap Dilly vraiment. C'est très chouette. Pourquoi j'ai un truc... Ah non, ça c'est à moi. Il me manque... Chloé, le F déco. Oui. Ah non, il est là. Excuse-moi, j'avais pas vu parce qu'il était tout petit. Non, mais il était tout petit, alors je le voyais pas. Alors, le F déco du 20. 19. Du 19. Du washi! Du washi doré! Bon, s'il colle mieux que celui d'action, ça ira bien. Et puis, des strass. Ça tombe bien. Quoi? Ça tombe bien, il va pas d'action.
Mais non, mais parce que celui d'action comme ça, il colle rien. Faut tout mettre du double face avant. Bon, toujours utile, ça peut agrémenter les petites cartes de fin d'année, des petites demi. Voilà, il y en a une qui est tombée. Deux. Bon, je ramasserai après, hein, parce que là, sinon. Oui. Le numéro 20. Vous n'avez toujours pas à voir, hein. J'ai fait un appel pourtant, hein. C'est un appel ou c'est un truc. Un ordre. Ouais. Il a demandé à voir. Ouais, ça marche pas, mais t'inquiète. Mais tu veux quoi avoir? J'arrive, je vais avoir fini. T'inquiète. De chez FDECO, numéro 20, des petites étiquettes à découper. Servi comme d'habitude, une vodka. Voilà, comme ça. Surtout, oui. Jet 27. Mais on n'en a pas acheté. On avait dit qu'on faisait un cocktail de Jet 27 pour Noël. On en a du Jet 27 à la cave? Ah bon, bah alors. Allez, vas-y, va faire péter. Mais non, mais pas. De toute façon, c'est pour Noël. La voiture, elle est carrément défoncée. Mais bien sûr, oui. Ça se voit pas, mais. Non, mais c'est ça qui est bien. Personne n'arrive pas à lire. Non, je. Eh ben, c'est même pas. C'est pas écrit en français, en fait. Je suis désolée, mais c'est pas écrit en français. C'est écrit quoi? Tu veux, moi, je lis. Ah, c'est en anglais? Bah, non, s'il y a du russe, surtout. Ah, bah, c'était ouais, sur mon autoradio. 5 pièces de 4 par 6 pouces. Donc ça doit être des cartes, des fonds de cartes, voilà, je pense. Oui. Je suppose, voilà. Aussi toujours utile, super. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Mon cadeau. J'avais regroupé. Des pochoirs. Pour Marie-Claire. J'ai oublié que le 21, papa, il est derrière. On est le 20. Ah ouais, c'est vrai. Vivement que tout le monde aille se coucher là parce que. Bah, il y a quand même que 5h de l'après-midi, hein, mais bon, pour nous. Un grand pochoir. C'est celui que j'ai testé. Ah bah c'est. Eh ben écoutez, vous regarderez ma prochaine vidéo cette semaine. Parce que je l'ai déjà. Donc c'est pas grave, je l'offrirai, je ferai un lot. Voilà. Je récupère. Non, tu récupères pas. Comme j'ai 2-3 tampons que j'ai aussi en trop, où je l'offrirai à quelqu'un. Voilà, et ben la semaine prochaine, vous verrez une vidéo où je teste ce pochoir que j'ai eu par une boutique, un partenariat avec une boutique. Je vous en parlerai, vous aurez la surprise, faudra regarder les vidéos cette semaine. Ouais, déjà, oui. C'est pas grave. Sinon, dans les autres, il y avait des petits ronds. Ça, c'est très chouette. Voilà. Ça, on voit mieux comme ça. Là, un ensemble de 4 petites pièces. Donc ça, c'est super joli. Super. Une petite rose. Il y en a 3. Un bouquet de roses. Voilà. Et puis là, il y a des petites... Aussi, love, des petites flèches. Une petite flèche de Cupidon. Le Cupidon. Voilà. Donc ça, c'est les pochoirs de monsieur... m'a offert. J'ai reçu cette semaine, puisqu'on a fait une petite commande. Ah ben là, il y en avait deux. Il y avait autre chose encore. Ah oui. Mais il y en a encore. Ah oui, il y en a dedans. Ben non, j'avais tout enlevé. Et t'as pas tout enlevé. Bon, et ben là, j'ai un pochoir. Trop chouette. Il est trop beau. Déjà, hein. Non, mais j'ai les découpes loups. Ouais. Mais j'avais pas le pochoir, c'est très joli. Ça ira très bien. Ouais. Je vais peut-être réussir à le caser dans mon December Daily, c'est malgré que j'ai plus beaucoup de place, parce que j'ai déjà fait plein de petites choses. Ouais. Trop chouette. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi un die. Voilà, exactement, ce que je disais aussi. C'est quoi? Elle cherche. Elle est bourrée, ça se voit. C'est le maman, c'est les riz, c'est le miracle. C'est une baignoire. Oui. Bah non. Si. C'est un couffin. Ah non, avec les pattes comme ça, c'est une baignoire. C'est une baignoire. C'est une baignoire. Là, il y a la petite... avec les petits chaussons. La petite serviette style où tu pourrais mettre une petite cigogne puisque j'ai un... Tu as eu le couffin déjà? D'ice... je sais pas. Oui. On peut mettre la petite cigogne et puis elle tient le petit où il y a le bébé. Là, il y a le petit canard pour la douche. Des petites pattes d'ours ou des pattes de, je sais pas, c'est...
Ouais. Et ça, c'est quoi là? C'est un alien? Des fringues. C'est quoi? Des fringues. C'est une serviette? Non, je sais pas. Bon, on testera, mais il faudra que monsieur nous retrouve le petit lien, comme ça on verra la petite photo de présentation. Parce que pourquoi il y a des petites pattes d'ours? Mais non, c'est les chaussons. D'accord. Peut-être que c'est la baignoire d'un ours. C'est pas grave. Ceci dit, un dail baignoire, je n'en avais pas. Un dail petit canard, je n'avais pas. Là, il y a le petit parfum. Et là, là, ça doit être une serviette. Ah, mais c'est peut-être deux dailles. Il y a la serviette et puis le savon. Ouais, et puis il y a peut-être la bouteille de whisky. Avec non, c'est une bouteille de parfum, chérie. Voilà. Voilà, super. Et puis là, j'avais reçu, j'ai reçu. Mais t'as pas ouvert le vin de Blissim? Mais si. Ta femme l'a donné, tu me l'avais pas préparé. Non, c'est vrai, j'avais oublié. Et je me suis commandé sur Amazon, j'avais une petite commande à faire pour monsieur. Et du coup, il voulait un objet, un Ryobi. C'est quoi que tu as commandé? Un gonfleur. Un gonfleur. Pour gonfler? Les amortisseurs du camion. Les amortisseurs du camping-car. Et du coup, moi je lui ai dit, écoute, si tu commandes, je vais me commander un petit tampon. Et j'ai pris celui-là. Magnifique bonhomme de neige. Et puis je l'ai pris surtout pour le tampon des patins. Je trouvais qu'il était superbe. Sur Amazon, je suis trop contente. Et puis, la petite enveloppe du vin. Donc ça aussi, c'est des petits tampons que je me suis acheté, que j'ai offert à Aurélie et Elodie. Non, Aurélie, Coralie, voilà. Donc, bien que je vous l'ai dit l'autre fois, je me les suis aussi achetés pour moi. Et notamment pour cet été, je suis déjà partie regarder ce petit dail. Petite maison de vacances, je trouvais ça superbe. Voilà, c'est tout bon cette fois, ça y est, on a tout ouvert. On a noté, c'est parfait. J'espère que vous allez bien, que vous avez été gâtés. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bisous.